Ça y est, la grande maison a rouvert ses portes. L'inauguration a rassemblé tous les Burestois autour d'un après-midi festif. Après 2 ans de réhabilitation, ce monument historique est à présent ouvert à tous. Pour la ville, c'est un lieu qui permet à tous les Burestois, quel que soit le quartier dans lequel ils vivent, de se retrouver pour y exercer l'activité qui leur tient à cœur, que ce soit une activité associative, une activité culturelle, pour les seniors, pour les clubs, pour le club sportif burestois. Donc tous les burestois pourront venir dans cette belle maison. En plus, il y aura un restaurant. Et puis la mairie également viendra tenir ses conseils municipaux et puis célébrer les mariages. Extraordinaire en même temps de voir ce patrimoine remis en valeur pour une destination précise, pour le service de la communauté, pour le service de tous. C'est une belle restauration et puis ça donne plus de charme typique à Bure-sur-Yvette. Elle est très bien refaite, formidable. Il y a quelque chose qui vous plaît en particulier ici? Oui, les couleurs. Bure-sur-Yvette était en fête. Jeux gonflables pour les enfants, espace de restauration, musique et concerts, il y en avait pour tous les goûts. On s'y sent bien, c'est agréable quoi. Tout le monde rigole. Super après-midi, des activités sympas pour les enfants. En plus, elles ont été placées à l'ombre des arbres. Impeccable. Je me suis amusée avec mes copines et maintenant je vais regarder mon papa en train de répéter. En réalité, derrière cette grande maison, il y a une rénovation du patrimoine, mais il y a aussi la mise à disposition des associations d'un formidable outil pour elles, pour se réunir et pour rajouter de la convivialité à ces cœurs de ville. Moi, ce que je souhaite, c'est que Bure ne devienne jamais une cité dortoir, qu'au contraire, elle garde cet esprit village avec des commerces, avec du tissu associatif, avec de l'activité et puis un village où il fait très bon vivre. Car ce qui donne son caractère exceptionnel à la grande maison, outre son histoire, outre sa beauté, sa majestuosité, c'est sa centralité, son positionnement au cœur de notre ville. Après l'inauguration officielle, c'est parti pour le show. 1h30 de concert soul avec le groupe What's Going On. Une ambiance de folie dans le parc de Bure. Oh, c'est archi lourd. C'est très, très lourd. Ouais, c'est super, super bonne ambiance. C'est vrai, vraiment. Et la musique, vous en pensez quoi? Ah non, c'est trop bien. Ça mélange les plus grands avec nous en fait, c'est cool. Je l'adore! Le concert, il est super cool et l'ambiance, elle est cool, ça change. On est tous là pour la fête de la musique et c'est vraiment sympa. On est hyper fans, on adore la Motown, on adore, donc là, on kiffe. C'est le gros kiff, merci. La soirée se termine avec un spectacle exceptionnel, son et lumière, récits et effets spéciaux lumineux, une manière originale de découvrir ou de redécouvrir la grande maison. Et de parvenir jusqu'à nous qui la léguerons aujourd'hui, remise à neuf, aux générations à venir. Et nous espérons que vous avez passé une belle journée, une belle soirée, et que cette grande maison est bien inaugurée. Et elle est maintenant à vous, donc il faut aller l'occuper, voilà. Donc belle et bonne fin de soirée et à très vite. Merci à toutes et à tous.